Quelqu'un de la mairie est venu, au conseil municipal certainement, nous a dit, voilà, tac, 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 vous prenez cette surface et vous mettez votre cabane là. Et on a mis notre cabane, voilà. Mais au préalable, déjà, il y avait des cabanes de pêcheurs. D'autres gens, après, sont arrivés. Donc, il y a eu d'autres cabanes qui se sont montées. Vous voyez, ça, donc, ça a poussé. Donc, à un point qu'on avait, je pense qu'il devait y avoir, si nous jour-là, on parle de 90 baraques en tout, possible qu'il devait y avoir 90 baraques en tout. Mais malheureusement, il y a le problème maritime. Donc, à la suite de ça, donc, il y a eu des actions en justice, dont la mairie a porté plainte, le maritime a porté plainte, il y a eu des actions en justice, et chaque fois nous avons perdu. Quand on gagnait, il y avait un appel, et on a perdu. Et on est remonté comme ça en cours d'État. En cours d'État, on a. Voilà. Et entre temps, donc, tout ce événement, et qu'on nous donnait, admettons, 3 mois pour partir. Ils ont commencé, donc en 84, si je ne me trompe pas, ils ont commencé à foutre le faux baraque. Avec les papiers, les gendarmes, toutes les baraques, tac, tac, tac. Et on est arrivé là, derrière, c'est là encore de baraque, là, et, parce que ça a demandé quand même un certain temps, et la municipalité a modifié, puis. Il y a eu des nouveaux, certainement, conseillers municipaux. Alors là, maintenant, on ne nous embête plus. On essaye, on ne fait pas de vagues. Il n'y a que moi qui en fais un peu. Parce que je veux qu'on fasse reconnaître ce problème. Mon grand-père, il me faisait des souilles en bois, des semelles en bois, avec des pointes. Et on allait dans les carrés de salin, on marchait là-dedans, et on s'asseyait, on levait la godasse. Une petite sole comme ça. Oui, oui. À la pelle. Oui, je l'avais entendu dire, raconter ça. Après, je ne l'ai pas fait. Après, j'ai fait un peu de pêche sous-marine, hein, comme tout le monde. Mais mon oncle, qui était un peu plus grand que moi, il avait 5-6 ans de plus, avec M. Millet, tout ça, ils allaient dans les temps, ils cherchaient des blancs, qu'on appelait, ou des blancs, du sable, du blanc. Et avec une charrue, il passait la charrue, il tirait la charrue, l'autre la poussait, il faisait ce qu'on appelait en termes des carétales. Ah oui. Voilà. Et 2 jours après, j'y allais, et les plis, comme ça avait été remué, elles se mettaient dedans, comme ça, et on y voyait que les 2 yeux qui sortaient à peine. Tac, tac. Et là, après, il y avait des fourcades. Oui, oui. Ou au fusil. Je m'en rappelle des frères Bachiche, dont je devais avoir 10-12 ans à peu près. Il passait devant la maison, et à cette époque-là, il ne faisait pas comme maintenant les pêcheurs qui ont les bateaux, qui ont les moteurs, qui ont les défilés légers et tout ça. Ils allaient dans les temps, dans la journée, le matin, faire ce qu'on appelle des bols. Voilà. Alors, ils font des bols, donc ils ferment une grande circonférence de filets, là, et après autour, ils tapent sur le bateau. Le poisson a peur, donc il veut partir, mais il tombe dans le filet, et voilà. À l'époque, les moules, on les faisait en face, à 800 mètres, 1 km. Voilà. Il y avait ce qu'on appelait un herbier, des algues, un herbier. Alors on allait là-bas en bateau, à la partègue, partègue là-bas, on s'y mettait dedans, il y a 4 pattes, il y a comme ça là, à palpe. Voilà. Allez voir les moules, comment c'est. Là, on faisait les 14 juillet. Nos anciens nous faisaient les 14 juillet. Et nous, les gamins, on faisait le tir à la corde, on faisait les trucs avec des sacs. Ici, ici, oui, oui, oui. Ici, moi, je passais. Moi, j'arrivais, je sortais de l'école, j'étais ici. Ah. Voilà. Et je suis arrivé ici, moi, j'avais 2 ans. Voilà. Il y a une photo de moi là-bas avec un maillot de course, tricoté à l'époque. Et on passait nos vacances là. Et après, alors je me rappelle parce que j'avais une dizaine d'années en gros. Hein, on rentrait à l'école quand on avait vendangé, parce qu'à l'époque, avec les familles, c'était comme ça.
Et si vous, vous êtes de quand à quand à peu près Oh, moi bon, je dirais mi-mai. Mi-mai, mi-octobre, c'est le temps qui me guide. Une fois je suis venu, là, il y a trois ans, je suis venu le jour de Pâques. C'était une Pâques, c'était vers la fin avril, un truc comme ça. Et j'étais venu là, mais je m'étais gelé. Heureusement que j'ai un radiateur électrique, j'ai un poêle à, on appelle ça, des poêles à du pétrole qu'on met dedans là. Heureusement que j'ai ça. Vous avez l'électricité là. On a l'électricité. Mais vous n'avez pas l'eau, c'est ça? Il n'y en a pas l'eau. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Et donc pour l'eau, c'est ce que vous m'expliquez l'année dernière, vous allez chercher... Alors l'eau, on a des barriques qu'on met sur une remorque, après on se fait entre nous quand même. Hein. Moi j'ai une autre barrique derrière là, qui est recouverte, qui est fermée avec du bois. J'ai fait une maison pour la barrique, comme ça, elle ne s'abîme pas de la chaleur. J'ai un petit surpresseur qui va directement dans la pompe, dans la barrique. Et à partir de là, du surpresseur, une installation de tuyau qui m'amène l'eau au robinet et l'eau à la salle de bain, quoi, mm-hmm. à la douche. Mm-hmm. Voilà. Mais on fait très, très attention. Nous, hier j'ai pris ma douche, ma femme s'est mise là, j'ai dit allume. Elle a touché le bouton, ça se met en route, éteint, fini. Ouais. On n'emploie pas 100 litres d'eau. Ouais. C'est interdit. Alors, c'est interdit. Donc, c'est vrai que quand je le dis, je défie à quelqu'un de venir vivre ici une semaine. Parce que je prends un couple quelconque, il est habitué à rentrer chez lui, il fait chaud, je vais prendre une douche. Au mois de juillet, tout le monde aurait pris les douches. Mmh. Normal. Mmh. On ne peut pas faire autrement. C'est une obligation. Et après, pour économiser là-bas la grosse cuve, on a des bidons et la vaisselle. On prend ces bidons pour faire la vaisselle. Au village, vous allez les remplir, non? C'est ça? On a la clé et on paye l'eau. C'est important. On paye l'eau. Voilà. On donne tous les ans à l'Assemblée Générale, qu'on vient de faire, là, on donne une cotisation à la municipalité. Puis toutes les baraques doivent être peintes, doivent être nettoyées, doivent demander l'association. Qui demande à l'association. C'est normal, hein, parce que souvent, ce serait le cirque. Après, bon, moi je vous dis des souvenirs, traverser les terres à la partie pour aller pêcher, c'était courant. Mmh. Après, moi, je me suis acheté un genre de bateau à voile, un genre de 425 ou 421, ouais. Là. Ouais. Avec la voile, le fort et tout. Ouais. Et j'avais ça. Là, j'étais un peu plus jeune et il fallait voir, je sortais avec des gros vents volontairement pour me régaler, je tombais. C'était vraiment magnifique, je me régalais. Voilà. Non, mais après, bon. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est les fauteuils de la boîte de nuit. Là. D'accord. On les a mis là, on s'installe là. Et je vois que tout le monde, ceux qui viennent, qu'on fait un repas ou autre, c'est la première chose qu'il faut, ils se posent. Ils se mettent là. Voilà. Mais moi, après, l'état de l'Hérole, pour moi, c'est ma vie. C'est ma vie entièrement. Parce que moi, je me ressource ici. Et moi, quand je viens dans ma période d'hiver, le dimanche, je viens faire un petit tour, je vais moi à l'eau. En l'eau. Qu'il fasse moins 1 ou 10, parce que. Ça, moi, c'est. Ça, ici, je me ressource. Moi. Je repars pour l'hiver. Ah ben, je le dis, et c'est la vérité. Hein. Je repars pour l'hiver.